vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on m'a offert l'opportunité de venir partager avec vous la cause que je porte. Alors, je voudrais vous dire que cette cause, je la porte depuis quelques années maintenant, mais toujours avec autant de bonheur, parce que simplement, je la porte avec conviction. Alors, cette cause, elle est double, mais les deux parties qui la constituent sont très intimement liées. Il s'agit d'une part de la préservation du patrimoine architectural algérien, et puis d'autre part de la relance de la production d'architecture contemporaine qui utilise les matériaux locaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces matériaux locaux ? Eh bien, ce sont simplement les matériaux que la nature nous a offerts, à nous les humains, et qui sont, pour cette raison, utilisés en construction depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis que le premier homme a décidé de se construire un abri, eh bien, il utilise les matériaux locaux. Alors, ces matériaux, quels sont-ils ? Eh bien, ce sont simplement, hein, pour aller aux principaux, la pierre, le bois et puis la terre. Comment, moi, j'en suis arrivée à porter cette cause ? Eh bien, pour la première partie de cette cause, celle qui concerne la préservation du patrimoine algérien, eh bien, c'est parce que j'ai entamé, au moment où j'ai entamé mes études d'architecture, j'ai été confrontée à un problème terrible qui est celui de la difficulté de la conception architecturale. Alors, il faut dire que je pensais, moi, très naïvement, qu'on allait me l'enseigner. Sauf que on m'a très vite expliqué, essentiellement parce que ça se passait au temps de la domination de l'architecture internationale, cette fameuse architecture qui se targuait de n'avoir respecté ni l'histoire, encore moins la géographie, eh bien, on m'a expliqué que la conception architecturale, au bout du compte, n'était qu'une question de créativité personnelle et que, pour caricaturer les choses, hein, il allait falloir que je dessine les produits de mon imagination, simplement, et que ces produits, donc ces objets que j'allais dessiner, seraient d'autant plus intéressants s'ils étaient évidemment ultra novateurs, et qu'il fallait que je m'inquiète de rien, parce que derrière moi, eh bien, les ingénieurs seraient à mon service, et que leur incomberait la tâche de trouver les solutions techniques nécessaires à la réalisation de mes projets, évidemment même les plus fous. Alors, le problème, c'est que, à mes yeux, cette démarche était absolument inenvisageable. Et cela pour une raison très simple, c'est que j'étais pleinement consciente de l'immense responsabilité que constituait la conception architecturale, dans la mesure où il s'agissait de créer des œuvres qui étaient destinées à recevoir des êtres humains. Évidemment, cela voulait dire que, à mes yeux, il était clair que quand un peintre va réaliser une toile ou des toiles, ou bien ces toiles vont plaire à la majorité et on va les lui acheter massivement et il va pouvoir vivre de son art, ou bien si elles ne plaisent qu'à lui-même, eh bien, au bout du compte, ça ne fera aucun mal au monde et puis il les aura peintes et il les gardera. Alors que mon problème à moi, c'était que les édifices que je devais, moi, réaliser, eh bien, ils étaient destinés à des êtres humains et ils risquaient, s'ils étaient mal conçus, eh bien, de provoquer le mal-être de ces humains à l'usage du quotidien duquel ils étaient destinés. C'est comme ça que, face à la difficulté de la tâche qui m'incombait et à la lourde, évidemment, responsabilité qu'elle représentait, eh bien, j'ai décidé d'aller tenter de chercher cette logique de la conception architecturale dans l'étude de ce que mes prédécesseurs avaient produit avant moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder attentivement, avec un regard qui se voulait être celui d'un architecte, mais qui n'était pas encore, puisque j'étais jeune étudiante. Donc j'ai commencé à regarder loin
D'abord, évidemment, dans la ville dans laquelle je vivais, c'est-à-dire Alger. Et là, j'ai très vite été confrontée à quelque chose de terrible, c'est que dans l'immense majorité des quartiers d'Alger, eh bien, régnait le chaos, la laideur, l'anarchie. Alors, en réalité, quand je regardais de près ces architectures, la seule chose commune que l'on y retrouvait systématiquement dans ces nouveaux quartiers d'Alger, eh bien, c'était l'utilisation des mêmes matériaux de construction, à savoir essentiellement des matériaux industriels que sont le béton armé, la brique ou le parpaing. Alors, dès lors, je me suis très vite aperçue que les deux seuls quartiers de la ville d'Alger dans lesquels semblait régner l'ordre, dans lesquels la beauté et l'harmonie semblaient présentes, en fait, c'était tout simplement ceux dans lesquels s'exprimait donc une logique de conception non seulement architecturale, mais également urbaine, eh bien, c'était Alger Centre, c'est-à-dire le centre historique colonial d'Alger, et puis la Casbah d'Alger, c'est-à-dire son centre historique autochtone. Alors, j'ai ainsi décidé, parce que ma volonté à moi n'était pas de produire des architectures coloniales, contemporaines, mais de me consacrer de concevoir des architectures algériennes, contemporaines, eh bien, j'ai décidé de me consacrer à l'étude de la Casbah d'Alger, dont la beauté, je dois vous l'avouer, m'avait séduite depuis très longtemps, puisque j'ai la chance d'y avoir grandi, ma grand-mère y habite. Et j'ai décidé donc de me consacrer à l'étude de la Casbah d'Alger parce que j'avais l'espoir d'y trouver enfin le secret de la conception architecturale que personne n'avait voulu m'enseigner. Quand j'ai commencé à étudier la Casbah d'Alger, j'ai très vite été fascinée. En fait, j'ai été fascinée de découvrir que ces magnifiques demeures, parce que je les trouvais déjà belles, qu'il a constituées, étaient toutes construites selon les mêmes principes. En fait, j'ai découvert que toutes ces maisons répondaient au même modèle dont chacune n'était au bout du compte qu'une variante et que ce modèle était d'une intelligence, qu'il était d'une perfection telle qu'il me semblait que jamais je ne parviendrais à l'atteindre même en une vie de réflexion. Ce qui était fou, c'est que je savais, puisqu'on nous l'apprenait, que ces maisons n'avaient pas été produites par des architectes, mais par des bâtisseurs. Alors les bâtisseurs, qu'est-ce que c'était? Eh bien, pour dire les choses simplement, c'était des maîtres maçons. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps, je me suis longtemps interrogée sur la manière dont ces bâtisseurs avaient réussi à atteindre un tel degré d'intelligence dans la conception, puis dans la construction de cette magnifique ville et des édifices qui la composent, évidemment. Et puis, j'ai mis longtemps, très longtemps, mais j'ai mis le temps qu'il fallait, à découvrir leur secret, le secret de ces maîtres maçons. Il a fallu, évidemment, qu'on m'y aide, mais quand je l'ai découvert, eh bien, j'ai compris à quel point cette ville, comme tous les centres historiques de toutes les villes et de tous les villages du monde, était précieuse. Le secret de ces centres historiques, en fait, c'est qu'ils n'étaient pas, contrairement à ce que j'avais imaginé, le fruit de la réflexion et de l'intelligence d'une seule personne. Ils n'étaient ni le fruit de la réflexion et de l'intelligence d'un seul maître maçon, ni même celui d'une génération entière de maîtres maçons. En fait, ils étaient le fruit de l'accumulation, de la réflexion et de l'expérience pratique de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient eu, qui avaient réussi à créer une chaîne de transmission des savoir-faire que chaque génération avait enrichi en y apportant un anneau depuis que le premier homme de cette ère culturelle avait décidé de se construire un abri. Et cela durant des, non pas seulement des siècles, mais des dizaines de siècles, voire probablement des millénaires, jusqu'au moment, ce moment T, où ces villes nous avaient été livrées.
Alors c'est ainsi que j'ai compris, à quel point nos centres historiques, qui constituent la majeure partie de nos patrimoines, n'étaient rien de moins que des livres ouverts. Des livres ouverts qui racontent l'histoire de notre architecture, celle que jamais on ne m'avait enseignée. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me consacrer à la préservation du patrimoine architectural. Alors, c'est en fait parce que j'avais compris qu'il est au bout du compte la seule leçon d'architecture qui puisse être donnée à tous ceux qui, comme moi, voudront concevoir des architectures algériennes contemporaines. Voilà pour la première partie de la cause que je porte, qui est celle de la préservation du patrimoine architectural algérien. Pour la seconde partie, celle qui concerne la relance de la production d'architecture contemporaine qui utilise les matériaux locaux, eh bien, je vous ai dit donc qu'elle était parfaitement liée à la première. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment. En fait, au moment où j'ai décidé de me consacrer à la sauvegarde du patrimoine architectural algérien, j'ai été très vite confrontée aux problèmes majeurs qui compromet très sérieusement la conservation de ces architectures. Ce problème, c'est celui de la disparition des savoir-faire, les fameux savoir-faire dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors ces savoir-faire liés à l'utilisation des matériaux locaux sont en Algérie, qui sont essentiellement en Algérie la pierre et la terre, avaient disparu. C'est comme ça que j'ai compris que pour espérer sauvegarder le patrimoine architectural à long terme, le seul moyen efficace qu'il pouvait me rester, c'était celui de préserver non pas les édifices, même si la conservation de certains d'entre eux, de ces édifices, qui ont une valeur exceptionnelle, est évidemment capitale, mais il fallait parvenir à préserver les savoir-faire liés à l'utilisation des matériaux locaux qui, eux seuls, pouvaient garantir l'entretien des édifices qui constituent nos centres historiques, entretien sans lequel, vous imaginez bien évidemment, qu'aucun édifice ne peut résister, car aucun ne peut résister à l'action du temps, encore moins à celle de l'homme. Alors, je me suis posé la question de savoir si nous ne devrions pas aller chercher ces savoir-faire chez nos voisins, immédiats ou lointains, parce que j'avais noté que la majorité d'entre eux avaient quand même réussi à les préserver, ces savoir-faire, et que d'ailleurs ça leur avait garanti une très bonne conservation de leur centre historique. Sauf que, j'ai dû très vite me rendre à une évidence terrifiante. Et cette évidence, c'était que, alors que nos voisins, eux, proches ou lointains, avaient réussi à maintenir les populations dans leurs centres historiques, nos centres historiques, avaient, dans leur grande majorité, été désertés par les populations locales. De plus, j'ai dû constater que dans ceux dans lesquels ces populations subsistaient, ces populations considéraient, comme les décideurs locaux d'ailleurs, qu'elles étaient en danger. Alors, vous comprendrez que je me trouvais dans une impasse, dans la mesure où il était absolument impossible, je voulais dire, d'envisager d'entretenir des centres historiques composés de centaines de milliers de maisons dispersées dans des centaines de lieux sur le territoire national si ces maisons ne sont pas habitées. Une maison qui n'est pas habitée, évidemment, est vouée à la ruine. J'ai donc cherché, pour trouver une solution à ce problème, à comprendre quel était ce danger, puisqu'on me parlait de danger, c'était ça le mot qui revenait en permanence, qui menaçait les populations de nos centres historiques. Et figurez-vous que, en réalité, le seul danger que j'ai eu à constater n'était absolument pas d'ordre physique,
contrairement à ce que pensent ces gens, mais d'ordre purement psychologique. Alors, pourquoi purement psychologique? Parce que, tout simplement, dans l'esprit de tous, ou du moins de l'immense majorité, eh bien, ces maisons bâties en matériaux locaux, celles qui constituent nos centres historiques, comme ceux du monde entier, d'ailleurs il faut bien comprendre que les centres historiques du monde entier sont bâtis avec des matériaux locaux, eh bien, elles avaient, dans l'esprit de tous, rejoint le rang d'habitat précaire, c'était ça. Et cela, pourquoi? Parce qu'elles étaient accusées, à tort, de fondre sous la pluie, d'être incapables de résister aux tremblements de terre, d'être extrêmement fragiles. Au bout du compte, en fait, quand on cherchait à comprendre le fond des choses, l'accusation qu'on portait sur ces maisons, c'était d'être incapable de répondre aux attributs de la construction moderne auxquels tout le monde, naturellement, aspire. Alors, je vous ai dit que ces architectures étaient accusées à tort, et je pèse mes mots, parce que j'ai les moyens de vous affirmer, en spécialiste des architectures de terre que je suis, que ce matériau n'a quasiment que des avantages. Ça, évidemment, le matériau qui est la terre, comme tous ceux, comme tous les matériaux locaux, qui ont tous, dans la réalité, la capacité de s'adapter aux normes les plus modernes, et je pèse mes mots, de confort et d'habitabilité. Paris, qu'ils ont d'ailleurs très clairement réussi partout en Occident, non seulement à travers la modernisation des édifices qui constituent les centres historiques, mais au-delà, à travers la production d'architecture contemporaine, comme c'est le cas sur une partie des photographies que vous avez pu regarder depuis le début de mon intervention, qui sont des photographies d'architecture de terre contemporaine. Alors, je ne vais pas avoir le temps ici de développer tous les avantages des matériaux locaux, mais je vais faire d'abord appel à votre bon sens pour vous expliquer que tous les maux dont on accuse les matériaux locaux n'ont de fondement que psychologique. Il faut simplement que vous arriviez à comprendre que, comme je vous l'ai déjà dit, ces matériaux sont utilisés par l'homme depuis qu'il a tenté de se construire un abri, c'est-à-dire, selon l'archéologie, depuis 2,5 millions d'années. Mieux encore, il faut comprendre que ces matériaux, ce sont les seuls matériaux qui ont été utilisés dans le monde entier, depuis la nuit des temps et jusqu'au début du siècle dernier. Alors, qu'est-ce que le début du siècle dernier? Eh bien, c'est le moment où on a commencé à utiliser ces matériaux que l'industrie venait de nous inventer, que sont le béton et l'acier. Alors, quand on comprend ce fait, je pense qu'on ne peut que comprendre que des architectures qui ont traversé les siècles et souvent des millénaires dans le monde entier pour nous parvenir, eh bien, ne peuvent certainement pas avoir la fragilité qu'on leur reproche. Elles ont résisté à tous les éléments de la nature depuis tout ce temps, et c'est bien la preuve qu'elles sont résistantes. Alors, je voudrais quand même vous rappeler rapidement, ou peut-être vous apprendre, pour étayer mes propos, trois avantages majeurs qu'offre l'utilisation des matériaux locaux. Le premier, je crois que tout le monde le sait, c'est que ce sont des matériaux ultra économes en énergie, alors que les matériaux industriels sont ultra énergivores. Le second, c'est que quand on construit avec des matériaux locaux, il faut savoir que 70% du coût de la construction va à la main d'œuvre, ce qui signifie que l'on va soutenir l'économie locale et permettre évidemment le développement durable. Alors que quand on utilise des matériaux industriels, il faut que vous sachiez que 70% du coût de la construction va aller dans la poche des industriels. Une dernière chose, un dernier avantage,
de ceux que j'ai le temps d'évoquer, c'est que les matériaux locaux permettent de réaliser des maisons, et je pèse mes mots, éternellement recyclables, alors que les matériaux industriels produisent des maisons jetables. Alors, je pèse mes mots et je m'explique. C'est simplement parce que quand on hérite d'une maison qui a été bâtie en matériaux locaux, eh bien, si elle n'est plus à notre goût, il suffit qu'on la détruise, et puis on va pouvoir la reconstruire comme on la rêve, avec exactement les mêmes matériaux. Alors que si la maison dont on a hérité était construite en matériaux industriels, et qu'elle n'est plus ou à notre goût, ou qu'elle a fait son temps, eh bien, les matériaux qui avaient servi à la construire ne peuvent finir qu'à un seul endroit, la décharge publique. Je pense qu'à ce moment-là, il reste deux possibilités. Il reste la possibilité d'aller racheter des matériaux industriels, et ça, c'est si on n'a pas encore compris qu'il faut construire avec des matériaux locaux. Voilà, alors, en conclusion, je voudrais vous dire trois choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est que nous avons le devoir de transmettre notre patrimoine architectural aux générations futures, car c'est un héritage précieux, et je pèse mes mots, dans la mesure où il est le seul témoin de notre culture constructive, de la culture constructive algérienne, celle qui constitue une part majeure de notre identité nationale. Il faut que nous comprenions que si nous ne travaillons pas à relever ce défi, ce sont ces horreurs que nous produisons aujourd'hui en matière d'architecture qui constitueront le patrimoine de demain. Je pense qu'aucun de nous n'a envie de léguer ça à ses enfants ni à ses arrière-petits-enfants. En second lieu, je voudrais vous dire que j'ai la chance d'être une fille d'Algérie libre et que pour avoir des parents qui ont subi la colonisation, eh bien je sais à quel point l'indépendance est précieuse. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas le droit, après avoir payé si cher le prix de notre indépendance, de nous laisser prendre à cette forme sournoise de néocolonialisme à laquelle nous réduit la mondialisation, celle de la dépendance à des technologies et à des matériaux de construction qui seront bientôt exclusivement détenus par des sociétés supranationales. Nous devons impérativement, si nous ne voulons pas hypothéquer l'avenir des générations futures d'Algériens, eh bien nous battre pour préserver notre autonomie en matière de construction, est le seul moyen que nous avons d'y parvenir et de relancer l'utilisation des matériaux locaux pour la production d'architectures algériennes contemporaines. Pour finir, je voudrais vous dire que, eh bien, je sais que beaucoup pensent aujourd'hui et penseront encore que la cause que je porte est une cause utopique. Pourquoi ? Parce qu'elle va à l'encontre de la marche du monde. Mais parce que je sais tirer des leçons de mon histoire, eh bien, je sais que la cause de l'indépendance algérienne semblait utopique à la majorité, au moment où une poignée d'hommes et de femmes ont décidé de s'en saisir et de la porter. Et ces femmes et ces hommes m'ont appris qu'il n'est de combat vain que celui qu'on ne mène pas. Et c'est la raison pour laquelle je me bats et continuerai à me battre pour porter la cause de la préservation du patrimoine architectural algérien et celle de la relance de l'utilisation des matériaux locaux dans la production d'architecture algérienne contemporaine. Merci. Merci beaucoup.